Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty World War 2. C'est un jeu développé par Sledgehammer Games, Raven Software, édité par Activision. C'est un jeu sorti le 3 novembre 2017, donc peut-être vous allez peut-être vous poser la question pourquoi je vous fais une vidéo si tard, parce que le jeu est sorti il y a plus de 2 ans. Mais je vous fais une petite vidéo parce que je voulais rendre hommage aux 75 ans du débarquement de Normandie, et le jeu le traite très très bien dans le jeu. Franchement, j'ai fait la première mission. J'ai eu le jeu hier, j'ai fait la première mission et franchement, on s'y croirait complètement. Donc pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que, comme vous savez, j'étais en vacances la semaine dernière et j'étais en vacances au Calvados où il y avait les plages du débarquement Normandie. Donc moi, j'étais à Vierville-sur-Mer et mon camping s'appelait Omaha Beach, donc camping de Omaha Beach. Et Omaha Beach, c'est le nom une des 5 plages qui étaient pour le débarquement. Donc le nom des 5 plages, il y avait Utah Beach, donc il y a eu 32 000 hommes débarqués. Omaha Beach où j'étais, donc 34 000 hommes. Donc pour la petite info, les plages de Omaha Beach, donc ça contient les plus proches, les 3 villes les plus proches. Donc c'est Vierville-sur-Mer où moi j'étais en vacances. À côté, on a Saint-Laurent-en-Caux-sur-Mer, excusez-moi, en-Caux c'est de mon côté. Et on a Colville-sur-Mer où il y a le cimetière américain. Donc voilà. Donc après il y avait Gold Beach, donc ça c'est un peu plus loin. Donc c'est quand on va de Calvados vers la Deauville. C'est là je vous les noms des villes. Donc Golden Beach, donc 25 000 hommes britanniques, parce que Utah Beach c'était américain, Omaha Beach c'était américain, Gold Beach c'était britannique, Juno Beach c'était britannique et canadien, donc 15 000 hommes, Sword Beach c'était français et britannique, donc 28 000 hommes. Voilà. C'était les 5 principales plages qu'ont été pour le débarquement en Normandie. Donc moi je voulais voir, ça peut pas mettre option là. Il n'y a pas d'option dans le jeu. C'est pas bizarre ce campagne. Je voulais baisser le son du jeu mais apparemment je peux pas. Hein. Ah paramètres, voilà. Audio. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que volume du jeu. Je vais le mettre là il est à 100%. On va mettre à 60%. Donc 90, 80, 70, 60. 50% on va mettre. On va baisser de 50%. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Sous-titres, ok. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la première mission du jeu. Donc jour J. Donc qui traite bien le débarquement. Donc le 6 juin 1944. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui. Petite info par rapport au débarquement. Donc il y a eu sur le Omaha Beach. Donc il y a eu 3680 soldats américains furent tués, blessés ou disparus le 6 juin 1944. Donc vous imaginez, c'est quand même beaucoup sur 34 000. Donc Omaha Beach, c'était la plage où il y a plus de soldats à déployer. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo et je vous en parlais en plus de mon voyage. Voilà. Donc on va mettre recrue parce que pour vraiment que je puisse vraiment vous parler tranquillou. C'est parti. Donc le 1er septembre 1939 débuta la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 50 pays y prennent part et 65 millions de gens sont tués. Il s'agit du conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité. Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Donc pour moi, c'est les Américains, ça. Les Allemands qui attaquent la France. Donc là, c'est... Le recrutement des Américains, et pour info, le plus jeune Américain qui a été regroupé pour cette guerre avait 17 ans. C'est un travail gigantesque qui nous attend. Une lutte pour préserver notre civilisation et pour libérer tous les gens qui souffrent. Nos fils, la fierté de la nation, menez-les comme ils... Ah, j'ai pas eu le temps de dire, c'était quoi? Ce chemin sera long et périlleux.
les âmes des hommes seront malmenées par la guerre. Et ce jour de grand sacrifice, nous préviendrons. Call of Duty World War 2. Donc en plus, c'est une petite anecdote, quand j'étais en vacances là-bas, il y avait un petit musée, c'était un musée ambulant, et il s'appelait musée Paul, World War 2. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre, et moi je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussmann la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Styles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Par contre, le son, je trouve qu'il est un peu bizarre à calibrage. Zussmann, trois fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussmann. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Oui, sa voix est bizarre, je trouve. Sa voix est trop forte par rapport à la voix de l'autre. Bon courage, lui. Mais après, c'est un petit détail, quoi. 18h, on est en retard. Et là, l'acteur que vous allez voir, là, je couvre nos arrières, Daniel. C'est une voix de... Bah, je la connais, cette voix-là, mais je sais pas qui c'est qui a cette voix. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. Je crois spécial, hein? Les poches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussmann. Sussmann. Il dit Sussmann, mais normalement c'est Zussmann. Quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. Donc pour info, petite info, les personnes qui ont été engagées pour... qui sont engagées pour la bataille de Normandie, moyenne d'âge c'est 18-25 ans. Pour vous dire, c'était vraiment des jeunes. Hein. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. C'est lui l'acteur principal qu'on a dans le jeu. C'est lui qu'on a dans le jeu. Ces paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Par contre, pour un, pendant le débarquement, il y avait les troupes en mer et puis l'aviation qui devait détruire les... Les positions ennemies, les défenses sur les plages. Et le problème, c'est que comme il y avait un épais brouillard, ils ne savaient pas où ils tiraient. Et du coup, ils n'ont pas pu tirer parce qu'ils avaient peur de tirer sur leur infanterie à eux. Et du coup, quand les mecs ont débarqué, il y avait toute l'infanterie allemande qui était encore en position. Tout ce qui était bunker, rien n'avait été détruit. Du coup, ils ont bien morflé quand même. Ça a été un carnage. Je ferai tout mon possible. Je
Imaginez-vous si vraiment il n'y a jamais eu de bateau débarquement, on serait tous allemands quoi. Ou la France aurait été, je sais pas ce qui serait passé, mais je rêverais d'avoir la même on serait tous allemands quoi. Va falloir que t'attendes qu'on arrive peut-être à Paris. Peut-être que la France appartiendra à l'Allemagne. Souvenez-vous, vous enterrez pas c'est sur peut-être la que ça s'appellera plus la France. Vous devez avancer, restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. Je vous le mange un peu. 11h57, ok, bah là à peu près, il y a à peu près 45 minutes de vidéo à peu près. Jour J, 6 juin 1944. Plage de Normandie, bah normalement c'est Omaha Beach. Parce que bah à la fin de mission on voit bien que c'est écrit Omaha Beach. À la fin de la mission. Donc moi j'ai fait 3 visites. J'ai visité, pas 3 visites mais j'ai fait 2 visites on va dire. Parce que j'ai vu 3 bâtiments mais je suis allé que dans 2. Parce que c'était payant. Donc j'ai fait l'Overland Museum qui est à Colville-sur-Mer, pas très loin du cimetière. Et c'est vraiment pas mal, il y avait pas mal de reproductions de scènes, mises en scène, c'est vraiment pas mal. Il y avait des chars, il y avait des jeeps, il y avait des motos, un peu de tout. Et après on a été l'après-midi, on a été à Colville-sur-Mer, donc on a été directement pareil dans la même ville, mais on a été au cimetière d'Omaha Beach, donc le cimetière américain. Et franchement là, c'est hallucinant, vous voyez des tombes à perte de vue. Le terrain il fait 15 hectares, donc 1 km carré à peu près. C'est super grand. Hein. Et bah, y a 9380 personnes enterrées, dont 307 inconnus et 4 femmes. Et la personne la plus jeune enterrée sur ce cimetière là a 17 ans parce que quand elle a été engagée, il avait dit qu'il avait 18 ans, mais il avait 17 ans. Mais apparemment, je crois que d'après ce que j'avais compris, il était décédé à 18 ans. Quoi. Mais ils sont engagés à l'âge de 17 ans. Quoi. Pendant parce que les Américains, quand vous engagez, ils n'étaient pas partis en guerre directement. Hein. Ils allaient tous en Angleterre poursuivre une formation. Je ne sais plus combien de mois ça durait, mais ils se formaient là-bas. Quoi. Donc voilà, en Angleterre. Et oui, petite anecdote aussi, peut-être chose qu'il faut savoir. C'est que le cimetière de Colville est un... comment je pourrais vous dire ça? Bah c'est américain. Du moment que vous rentrez dans les enceintes du cimetière, vous êtes en terre américaine. Parce qu'au fait, c'est une terre américaine. Mais quand ils ont fait le cimetière, la France a offert les terres aux Américains pour qu'ils puissent faire un hommage à leurs soldats américains. Et pour une petite info, quand ils ont fait le cimetière... c'était en 1900, parce que c'était assez tard, je crois. Je crois que c'est 46, je crois. 1946, c'est le temps qu'ils construisent, tout ça, etc. Donc il y a eu la demande aux familles. Est-ce que vous voulez que votre dépouille de votre famille soit enterrée en Normandie ou soit répatriée en Angleterre, aux États-Unis, voilà. Et pour info, il y a eu que 60% repatriés aux États-Unis, donc 40% des soldats qui sont restés, qui sont enterrés là-bas. Et il y a même des soldats qui sont enterrés, mais qu'on n'a pas, ils n'ont pas retrouvé les corps. Donc ils ont fait les, je crois qu'apparemment ils ont fait, ils n'ont pas fait de tombe, ils ont juste fait un mur. Bon, moi c'est ce que j'avais vu. Ça je l'ai pas vu, j'ai pas été voir. Ils ont fait un mur avec les noms des personnes qui n'ont pas été retrouvées. Voilà. Et petit à petit, bah voilà quoi. Il y a plus de 9000 personnes enterrées, mais certaines qu'ils n'ont pas retrouvé les dépouilles, quoi. Voilà. Donc c'est parti, on passe dans le vif du sujet, je vais arrêter de parler. Mais je trouve que c'est vraiment retranscrit. Franchement, Activision, ils ont fait un bon travail. Hein. Même pas, c'est même pas Activision, parce que c'est l'éditeur Activision, c'est pas le développeur. Donc là vous pouvez voir sur le côté, hein. Derrière, sur le côté, on voit que ça bombarde bien quand même. Il y a même des avions, des bombardiers là. On arrive bientôt. C'est ouvert! C'était un ordre, nom de Dieu! La rampe!
Ah, des moments qu'ils vont ouvrir les portes, bah là ça va mordre. C'est canard, c'est canard, c'est canard. On y va, donc là on a le gameplay, c'est moi qui contrôle. Il faut rester. Vous voyez la mer comme elle est rouge. Non. Emporte cette banque alors jusqu'à la digue. Vous voyez voir là, le mec il va perdre sa jambe. Allez, il a perdu ses jambes. C'est vraiment bien foutu je trouve. Daniel, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Ah, c'est dégueulasse. Oui, chef. Donc là, oh, le but, c'est d'aller rejoindre le bord des digues pour pouvoir... Hop, on y va, on y va, on y va. Hop, on y va. Donc là, on peut pas tirer. Enfin, on peut pas tirer. Ça sert à rien de tirer, on va dire. Ah, ils ont tous des noms, les mecs. Non. Capitaine. Ah, il y a même les noms. PVR, FK, PVL. Ah, je sais pas si c'est des vrais noms. Hein. Peut-être que c'est des vrais noms de soldats. Hein. Fonce, 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 fonce. Fonce. Ouais, je me prie cher. Oh, je prends cher. Je sais pas si je verrais ça la dernière fois quand j'ai fait mon premier essai de vidéo. Je suis passé sans mourir, mais là. Let's go, 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 let's go. Fonce, 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 fonce. Ouah, j'ai pris cher. Là, je me pense, j'ai rien pour me guérir. Il reste 27 mètres. On y va, on y va. Go, 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 go. C'est bon, j'ai réussi à passer. Prends cette torpille, je vais te couvrir. Ça devient vraiment stressant pendant le débarquement. On y est presque. Tire, tire. Ça va exploser. Allez. Je vais crever moi avec la vie que j'ai. Je pense que, à moins que ma vie a remonté. Elle n'a même pas remonté ma vie. Allez, faut foncer, faut foncer, faut foncer. C'est bon, j'arrive, ça a passé. Peut-être s'il n'y a pas de vie là, quelque part. Parce que j'aurais besoin de vie là. Non. Utilise ça. Ah merci. Merci l'ami. Donc lui il redonne des vies lui. Il vous redonne des vies Suzman. Ok, c'est parti. Donc après vous avez quelques vies ici. À part des dos, un peu partout là. Déjà récupéré de la vie, nickel, on y va. Je vais essayer de faire une vidéo courte, pas courte, mais assez bref, on va dire, assez rapide. Ah, j'arrive déjà mieux qu'au début, hein. Ok, ah, attendez, mon pote, il est où? Pote, t'es où, pote? Après, il y a des trucs à récupérer aussi. Bon, ici. Mais il y a un peu partout à récupérer, mais j'ai pas tout récupéré. Donc là, il y a le... Faut attendre. Grenada! Là, il y a l'artillerie qui va tirer.
sais pas si on voit bien au loin. Non, on voit rien derrière. Qu'on y va, on avance. Perds pas trop de perte de temps, je voudrais voir une vidéo assez courte quand même. Par contre, je trouve que les coéquipiers servent pas grand chose dans le jeu. Ouais, ok, on y va. Je pense qu'il n'y a plus de balles en plus, moi. Enfin, ça va pas être. Nous avons aussi des grenades fumigènes aussi. Ah, je sais pas si je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai eu ou pas là? Je l'ai même pas encore tué. Bon, il doit être mort là, non? Je pense qu'il y a plus de balles moi en plus, putain, je suis dans la merde. À tout moment, merde. À tout moment, vous pouvez demander des, voilà, des soins à votre coéquipier. Par contre, j'ai presque plus de balles là, ça me saoule. Oh merde, mais non, non, je sais ce que je fais moi. Faut que je prenne des munitions. Attendez, objectif, ok, on y va. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est pas ça que je voulais faire. Y'a pas une arme à prendre là. Mais chut, j'ai plus. Ah, j'ai encore mon arme, c'est bon. Donc on y va, let's go. On continue notre progression. Bon, je vais me guérir de toute façon. Donc ça, c'était un événement. Ah bah, j'ai tué ou pas? Il est pas. Ah, il est mort quand même. Événement héroïque. Mais le mec, il est mort quand même. Merde, le con. Daniel, je balance un fumigène. Fumigène envoyé. On est avec lui, en avant. Lance une grenade. Je sais pas s'ils sont morts, les mecs. Hein. Wow, je suis allé comme un bourrin. Plus de balles. Mais non, c'est la merde. Je fais comment moi, j'ai plus de balles. Putain, je suis dans la merde. Hein. J'ai plus de balles quoi. Ah ça y est, j'ai des balles. Y'a plus personne là-dedans, non? Plus personne. Ah c'est bon. Après vous pouvez faire ça aussi. Ouais ça c'est bon. Bunker nettoyé, ok nickel. Ok on y va. Continue. Bah j'aime bien cette arme là, franchement elle est bien. Enfin, on n'a pas beaucoup de balles je trouve. Je vais récupérer des balles pour l'autre arme aussi. Donc après il y a des trucs à fouiller comme je vous avais dit, je vous ai montré tout à l'heure. Des trucs à récupérer mais là j'ai pas tout récupéré encore. Donc on y va. On continue notre progression. La prochaine vague d'assaut ne passera pas. Mais merde. Crève. Pour l'instant ça va, je suis pas encore mort une fois. Tout à l'heure quand j'ai fait mon truc, je suis mort plusieurs fois. Merde c'est un ami. Le con. J'ai pas vu que c'est un ami. Il est où l'autre qui peut me donner des soins là? Tout qui peut-être pas m'en donner un illimité peut-être. Donc faut attendre là, c'est un lance-roquette à nous. J'y vais.
Bon, le lance-flamme, ouais, nickel. Une balle, une meurt. Oh oh oh, nickel. Oh, j'ai plus de balles. Je suis dans le caca, moi. Ouais, nickel pour ton arme, merci. Ah, il y a une trousse de soins ici. Donc là, par contre, il y a des trucs à fouiller, mais... Alors, je regarde sur internet, qu'il y a peut-être des gens qui ont mis les emplacements des choses à récupérer. Ça se pourrait, mais... Vite, ils reviennent par derrière là du coup. Pour aller tuer. Faut que je meurs, faut que je meurs, faut que je meurs. Nickel. Oh, ça se passe super bien. Pour l'instant, je suis pas mort. Tout à l'heure, quand j'ai fait le premier essai, j'ai pas arrêté de crever. Nettoyer, ok. Bon, on va continuer du coup. Bon, j'ai pas de balles, ça me fait chier. J'ai pas de balles pour cette arme-là. On a pas assez de balles dans le jeu, je trouve. Ok, on y va. Ah, j'ai tué, non? Ah, je crois que j'ai tué, je crois. Merde, putain. J'ai tiré comme un bourrin. Oh, putain. Je suis fait défoncer par une grenade. Bon, bah, première mort dans le jeu. Donc ça va, c'est pas trop méchant. Ça va encore. Tout à l'heure, je suis mort au moins 15 fois, tout à l'heure. Que j'avais fait mon premier. Tu vas bien ? Ah, je l'ai tué. Nickel, j'ai réussi à le sauver. Donc lui, c'est... PVL, je sais pas si c'est derrière quoi. PVL. Ça a pété là. Je pense qu'on peut y aller là. Avancez, avancez. Niles, à Yellow avec moi. Là. Daniel, toi et Zisman, nettoyez le dernier. Il me faut cette trousse de secours. On approche la falaise. Nickel. C'est ça qui est bien, je trouve. Et après, plus loin, quand vous allez dans le jeu, vous allez avoir un mec qui va pouvoir vous positionner l'endroit des cibles à tuer, des ennemis. Donc ça va faire comme un. Bah, vous allez voir plus les. Comme un radar. Et un qui vous donne des munitions là, plus loin. Là. Oh, j'ai pas de balles, ça me fait chier. Oh, t'as pour tuer là-haut, ça va être chiant. Pour tuer ceux de là-haut, ça va être casse-couille. Parce que j'ai pas de visée bien là, ça qui est chiant. Non, gaboche. Là, ça va être chiant à tuer là-haut. Ah, oh, je les ai eu quand même, non? Ah, oh, je suis en train de crever, moi. Ah, j'ai plus de munitions, je suis dans la merde. Oh, nickel. Oui, il me faut des balles, moi. Il faut des balles, il faut des balles, il faut des balles. Faut changer d'arme. Tant pis. Ah c'est bon, il me donne plein de munitions. Donc là, 30 minutes déjà de gameplay. Donc on continue. Oh, attention. Il y a QTE, petite QTE. Enfin, j'ai pas la foire. Tout à l'heure, j'étais fait chiquer pour la faire. Nickel. Là, mon collègue va se prendre un coup de couteau. Ça fait mal. Contrer. Allez. Contrer, 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 contrer. Allez, contre, 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 contre. Allez.
Allez. Ah, je l'ai pas réussi. Putain, merde. Fais chier. Tout à l'heure, j'ai réussi au bout de 2-3 fois. Donc là, on va recommencer. Donc là, ça fait ma deuxième mort déjà, il me semble. Fais chier. Allez, c'est parti. Allez. Ah là, c'est triangle. Prends ça. Ah, ça a changé de touche tout à l'heure. C'était rond quand je l'ai fait. Ça a changé de touche, du coup, c'était pas rond. À 12 heures. C'est bon, j'ai vu. On y va. Mes jambes. Oh merde. Sors-moi d'ici, putain. Bah, en fait, c'est pas le fait qu'il a plus de jambes, hein. C'est parce qu'il a c'est la blessure qui fait ça, quoi. Bah, franchement, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est vraiment hallucinant comment c'est bien fait, quoi. À ta gauche. C'est quand même marrant parce que cette arme-là, je l'avais déjà laissé depuis le début. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il me l'a redonné. C'est vraiment pour vous mettre en stress, on va dire. On doit se mettre à couvert. C'est bon, je les ai eus. On est tiré d'affaire. Bien. C'est non, ça je pense pas qu'on est tiré d'affaire. Traîner. Il met une grenade, à un moment il y a quelqu'un qui lance une grenade pour la jeter aussitôt. Accroche-toi. Baisse la tête. Tu les as eus. Il en sort de partout. Merde. Ah, je vais crever. Non, c'est bon, je suis pas mort. Oh, il est où? C'est bon, je l'ai eu. Attention. Il a son compte, on continue. C'est vraiment bien fait, je trouve. Hein. Trop de secours. Là. Ah, je suis là. Putain. Oh, j'ai de la chance. On peut descendre par là. Je suis là. Ouais, nickel. Ah voilà, bon. Allez. Voilà, nickel. La vache, pisse de sang. J'ai plus de vie de toute façon, plus de santé. Ah, on y est presque. Il est arrivé. Vite, ils arrivent, venez. Allez. Il y a une petite cinématique, il me semble. Okay, alors, c'est parti du jeu. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai. Mais bien sûr. Donc dans le jeu, les plus grandes batailles qu'il y a, c'est Normandie, on a la libération de Paris et après on a les batailles des Ardennes. Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, tu dois pas t'endormir. Hé, Daniel. Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir à l'infirmier. Donc là, on va continuer la mission, mais ça va durer peut-être 10 minutes, je crois. La petite partie de mission, là. Je m'occupe de lui. Vas-y. La vidéo va durer à peu près 45 minutes, quoi. Je pense que je vous ai tout expliqué ce que je voulais vous dire, hein, par rapport à mon petite visite. Donc nous on a fait les musées tout ça parce qu'on n'a pas eu un beau temps. On a eu que vendredi qu'il a fait beau. Le dernier jour qu'on est parti, il a fait super beau. C'est pour ça qu'on a profité de... profiter de faire quelques trucs, quoi. Ah. Il me faut des munitions, chef. Ah, c'est lui qui donne les munitions, là. Voilà, j'ai des munitions maintenant. Nickel. Par contre, j'ai plus de vie, c'est ça? J'ai plus personne qui me donne de la vie, quoi. Donc ça va être chaud, quoi.
Il y a une grenade, il y a une grenade. Ouh, putain, je voulais... C'est un gentil, ça. Ouais, ça doit être un gentil. Par contre, il y a un mec là-haut. Faut que je l'ai eu, non? Ouais, j'ai pas encore mort. Ah, je crois que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. On y va. Pour eux, cette arme-là, elle est bien, mais là, c'est qu'un tir, quoi. Non. Merde, qui c'est qui me tire dessus? Ouais, pas terrible, cette arme-là. Là, il me rush, non? Je vais monter là-haut. Récupérer la munition. Voilà, nickel. J'y vais, je l'ai pris. Je descends, les gars. Je descends. Ah, oh, il y a des villes, là. Nickel. Faire gaffe, parce que là, ils vont arriver de tous les côtés. Là, ils vont monter, là. Il y en a qui vont descendre par là, normalement. Il est mort. Il y a d'autres commandos qui doivent arriver. Il n'y en a plus, je crois, normalement, non? Il n'y avait pas trois d'avant qui descendaient par là? J'ai cru. Il y en a un autre qui arrive, là. Putain, j'ai pas eu le temps de tirer. Ouais, t'es mort. Oh putain, de grenade. Oh, j'ai eu de la chance. Il y en a même qui arrive juste là. Non, c'est long là. Ah, il est renfort, je crois qu'il arrive, non? Ah, il est renfort qui arrive. C'est bon, on a réussi. Il n'y a plus qu'à les trois canons, puis la mission sera finie. Je regarde s'il n'y a pas d'autres ennemis à tuer, mais on peut pas descendre. Ah, par contre, on peut même pas aller de l'autre côté. Oh, c'est mal foutu ça. Putain, il y a encore un Allemand là. Ok. Objectif, je regarde s'il n'y a pas des trucs à fouiller. Non. On sait jamais, des fois il y a des trucs à fouiller. Hein. Que si j'aurais loupé un truc. On va retourner là-haut vite fait. Démolis-moi ce canon. Non, ok. Rien à fouiller. Non, bon, on y va. J'ai deux objets que j'ai pas réussi à trouver. Oui, j'arrive. Le seul, c'est bizarre, ils mettent de la dynamite et ils mettent une grenade. C'est un peu chelou leur truc. Bon travail, Daniels. Allez, les gars, rendez-vous au point de ralliement. Là, par exemple, là, c'est un truc explosif, ça, normalement. Voilà, un truc explose. Ok, c'est parti, moi, là, la mission va être terminée. Un bilan des pertes. Perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. Payé au plus fort. Daniels. Bordel, je pensais avoir tout. Il va s'en tirer. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant.
Hey, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie. Non, franchement. Je pense que je sais pas ce qu'on serait devenu sans les Américains. Je sais pas, franchement, je vous pose. Des fois, c'est quand même bon d'y réfléchir quand même. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Ah oui, Texas, parce que lui vient du Texas, lui. Sorry, c'est vrai, je vous ai pas dit. Sur chaque tombe, vous avez le nom du personnage, son grade, et d'où il vient. Et sa mort, il est mort quand, quoi. Merci. Tu iras bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Et il y a des tombes normales, des tombes en croix et des tombes en étoile. C'est tout ce qui est étoile, tout ce qui tombe à étoile, c'est les juifs. Les personnes qui étaient d'origine juive, quoi. Parce que vous savez que l'Allemagne, on fait la guerre à la France, bah, aux pays européens, je contre les juifs. Qui a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre. Voilà, c'est ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Omaha Beach, voilà, c'est ce que je vous dis. Donc moi, j'étais en vacances là-bas, Omaha Beach. C'était les plages du débarquement. Et vraiment, c'était hallucinant parce que les villes, il y avait dans les villes, bah dans les villages, parce que c'était pas des grandes villes. Hein. La plus grande ville, c'est Bayeux, je crois, la plus proche. C'est quand même à 38 km d'où on était. Et les petits villages, il y avait des drapeaux américains partout. Sur chaque maison, il y avait presque pratiquement des drapeaux américains, des drapeaux britanniques, des drapeaux français. Et il y avait même dans chaque ville, vous avez des petites photos avec des merci. Merci à tel soldat, voilà, des hommages, quoi. Et c'était vraiment hallucinant, quoi. Franchement, c'est une région que j'aurais pas pensé visiter. Moi, j'avais été quand j'étais jeune, à l'école, en primaire, j'avais été à Anel. C'était une plage de débarquement aussi, mais c'était un autre endroit. Peut-être que c'était peut-être à, je sais pas, à Gold Beach ou peut-être Utah, je sais pas. Mais moi, où j'étais, c'était Omaha Beach, voilà. Donc voilà cette nouvelle vidéo hommage que je voulais vous faire. Vraiment pour fêter les 75 ans du débarquement en Normandie et en même temps remercier les Américains, les Britanniques, les Canadiens et les Français qui ont fait ce débarquement parce que je pense que sans eux, on serait peut-être pas là, hein, peut-être. Je serais peut-être pas en train de vous faire cette vidéo. Donc moi, je vous dis pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Et si vous voulez que je vous fasse, par exemple, le continu de l'histoire du jeu, donc dites-le-moi dans l'espace commentaire, je vous ferai un plaisir de vous le faire. Donc, je vous dis une prochaine. Salut, bye bye, porte-moi bien. Peace.